Salut à tous, j'imagine que comme moi vous rêvez d'un bon pique-nique dans un grand parc pour ce week-end pascal ou d'être au bord de la plage pour déguster un bon matoutou. On sait tous qu'on aura sensiblement le même programme. En tout cas pour ce numéro 2 du Souhait d'aller confiné, je vous propose de partir à la rencontre de Fanny Queneau. Bonjour à tous, c'est Fanny Queneau, athlète sur 100 mètres haies en équipe de France d'athlétisme. Pour ma part, l'objectif était de me qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Au vu des événements, les Jeux Olympiques ont été reportés à l'année prochaine. On continue quand même les entraînements, je continue à rester active sous les plans d'entraînement que ma coach m'envoie pour continuer la préparation. Le côté extra-sportif, mon confinement se passe plutôt bien parce que je profite pour faire des choses que je ne fais pas habituellement. Faire du jardinage, par exemple travailler mon anglais, faire des petites décorations parce que je suis très manuelle pour ce qui est la maison. Don't rush, slow touch, brown and white. Je devais donner une petite anecdote durant ce confinement. Je parlerai de mon chien, parce que mon chien ne me laisse jamais m'entraîner. Quand je fais des exercices de passage de haies, il veut passer les haies, il veut passer dessus, en dessous, il fait tomber les haies, enfin bref. Il me laisse jamais travailler ma technique tranquillement. Quand je m'étire et crois que j'ai envie de jouer, il me monte dessus. Quand je fais la corde à sauter, il veut venir dans la corde à sauter. Mais enfin bref, on fait avec, pas le choix. Et puis dans tous les cas, c'est marrant. Donc je continue à m'entraîner, même avec mon chien qui m'embête. Là, il dort parce qu'elle est fatiguée de la séance du jour. Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, surtout abonne-toi et active la cloche.